Donc, bon, chérie, fois ça là, je dis assez. Mercredi 27 décembre, manquez 3, 4 jours pour l'année a fini. Gros salutations à tout le monde. Nous avons un bon quelques jours, nous pas parlé. Bon, moi-même, je fais fêté toujours. Donc, ça fait hier, nous pas été tendu, moi. Je t'ai célébré toujours. Donc, je souhaite que tout va marcher bien pour nous. Je souhaite que nous-mêmes, nous passions. Monsieur, on dépasse une bonne fête Noël. La Vendée n'est pas oublié, nous. L'Amérique a préparé un bon programme pour nous pour fête Noël là. Et ils préparent encore un bon programme pour nous pour Nouvel An. Donc, brancher son programme qui vraiment, vraiment que j'en ai nous aimé. Programme spécial pour fête Noël là. Eh bien, c'est même j'en ai appris un programme ça que toute équipe l'a mis ensemble pour nous présenter au lit. Une sorte de révision les grands points qui étaient pratiquement marqués année et 2023 qui a quitté nous et donc maintenant nous normalement nous espérons que nous privé là donc nous saluons tout le monde tous les amis qui branchés qui partent là et qui ont quitté certainement monter comment nous comptons vraiment et bon comment les chiffres qui ont monté là nous mettons numéro 3 numéro 4 numéro 2. Pas de problème. Nous tout, depuis nous là, c'est ça qui est important. Alors, quelques grands points qui sont censés dominer l'actualité. D'abord, nous avons un conflit Israël-Hamas là. Et bien, il faut qu'on fait un côté parallèle avec pour Estagon, si c'est le feu que tu dois joindre entre belligérants. Mais entre-temps, Israël a annoncé que les papes campés, donc les papes campés, les papes continuer. Et même si il y a un appel qui a lancé pour faire cesser le feu pour assistance humanitaire arriver dans le territoire Gaza, mais Israël a continué à marcher sous le groupe Hamas là, et militant Hamas et jusqu'à ce que les déracinés ne pas existent encore. En fait, c'est l'objectif que Israël dit que la guerre n'a pas fini s'il n'a pas atteint l'objectif. Donc, la guerre n'a pas fini. Donc, monsieur Hamas, eux-mêmes, bon, ils sont là, ici, ils sont là, mais en tout cas, Israël, lui-même, a lancé l'opération. Donc, son opération, garçon, pas campé, et monsieur Lagan, pile moitié, son série de buildings, sous camp réfugié, etc. Et puis, il y a tout, et Ukraine. Ukraine frappée là aussi. Donc, ça, c'est un bateau d'atterrissage que là aussi gagne dans presque le Crimée. En tout cas, et là aussi reconnaître que le bateau a subi un pile dommage. Mais bon, ça passe. Mais quand même, allez, pour là aussi, pour l'Ukraine, ils font beaucoup. Là, le président a aussi un gros coup. L'élevé frappé le bateau, ça, là, mais par exemple, qui connaît quel type de missile ou bien quel type de armes que l'Ukraine utilisait pour les mener à attaque, ça qui peut-être surprendre. Et autorité russe. Et bon, voilà. Et puis, il y a tout dans l'autre point qui est censé dominer l'actualité, c'est en Haïti. En Haïti, le premier ministre Henry répond à invitation et juge enquêteur. Et M. Walter, qui est censé instruire le dossier assassinat du président Jovenel Moïse, il y a 11 personnes qui sont déjà inculpées aux États-Unis, il y a 3 ou 4 là-dedans qui sont déjà condamnés, il y a un cinquième qui parle des coupables, donc ça veut dire que le dossier a pas avancé aux États-Unis, mais il n'est pas vraiment bougé en Haïti, excepté 4 de. Et Maïska, Ville-Jacmel, Marquis Kessa, qui lui-même, que juge l'a inculpé et qui est monsieur en prison, cette première action. Donc, a dit que juge Walter Rousseff Walter posé depuis la panquette sur le dossier ça. Mais, et dossier, et Premier ministre Ariel Henry, en fait, on dit que c'est pas Premier ministre pas allé, non, dans le tribunal là, mais c'est juge là lui-même qui était déporté, lui-même qui était venu, même. Vini Kai et dans primature, dans la résidence premier ministre pour te questionner. Ils disent son question, son état garde qui dure en pile temps. Et en même temps, le juge a été avec le greffier, donc on passe en pile temps que tu as questionné. Mais comme je dis, la liste secrète, donc pas une personne qui connaît ça sortir là-dedans. Mais et que le ministère communication, culture et communication, qui fait sortir une autre et qui parle de notre de rencontre là, de.
questionnement ou bien encore de questions que tu as pu poser, ministre, sur qui ça le connaît de assassinat du président Jovenel Moïse, parce que d'après le rapport de CPJ, ils ont montré que le premier ministre Ariel Henry était en conversation avant et après assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, ils pensent qu'il était avec un suspect clé dans la question. Ça, c'est Félix Badiou qui n'a même autorité, que l'autorité a arrêté ça il y a longtemps. Donc, en fait, je dis non que c'est la première fois dans l'histoire d'Haïti on bat à ce niveau. Un premier ministre et répondre question à la justice en fonction de rendu. Répondre question à la justice son dossier comme ça. Donc, c'est cabinet ministériel la même qui était voté pour te autoriser ni premier ministre ni l'autre et gros commis d'État, tant que ministre, directeur général, pour répondre à question, juge là, sous question si là. Donc, ça, les premiers ministres sont censés faire premier pas, donc, très certainement, pas gagner l'autre ministre, et avec l'autre directeur général, ou encore l'autre grand commis d'État qui peut répondre à question, et qui vient pour répondre à question. Donc, le dossier a pas avancé, même si c'est lent, mais le dossier a pas avancé quand même, dans le niveau Haïti, même si pas une action que tout le monde a souhaité, genre, les dérouler aux États-Unis, parce que les États-Unis, au moins, ils ont 11 personnes dans main, qui ont même pour avec le dossier à aider à la donner, il y a 4 personnes pour qui ont déjà été coupables et qui ont déjà une condamnation. Et au dernier moment, et là, on connaît que la condamnation parle très prochainement, là, on connaît qui sont inscrits, mais au moins, et mon ça, c'est moi qui plaide des coupables, mais il y a 3 pour sûr qui ont déjà plaidé des coupables et qui ont une condamnation pour passer toute la vie dans la prison sous dossier-là. Et puis, dossier immigration, mes amis, fermez-vous, ben, il n'est pas facile pour les États-Unis. Et ça va gagner un an depuis les États-Unis de prendre une décision pour l'ouvrir, porte là, pour te permettre aux immigrants, 4 pays, rentrer aux États-Unis de façon légale. Objectif dans l'époque là, c'était pour un an qui mesurait qu'à 10 000 quantités d'immigrants pays sahéliens, dont Haïti, Cuba, Venezuela, avec Nicaragua, qui t'a venu sur frontière pas bande pas paquet. Donc pour te diminuer tout ça, les États-Unis t'es venu avec programme, les programmes Biden, non mais programme humanitaire qui permet de rester dans le pays à bon Dieu qui pas dépassé 2 ans, à condition que le monde qui va tourner aux États-Unis financièrement. Eh bien, dossier et chiffre à retenir, mon compte encore, et qu'on y a autorité américaine aux abois et mène en tête, je ne sais pas si ça, je ne sais pas qui s'est approprié pour voir dans quelle mesure capable de joindre une solution avec quantité d'immigrants qui ont vécu sur la frontière. Les immigrants utilisent tous les moyens possibles pour vivre sur la frontière malgré les États-Unis, le Mexique, parce que pour un frontière va résoudre si Mexique pas contribué là-dedans. Parce que normalement, les immigrants utilisent le Guatemala, frontière Guatemala partagée avec Mexique. Ils ont été dans l'État Chiapas, et de l'État Chiapas, ils continuent à faire autre là, j'ai un permis, et puis ils continuent à faire autre là, puis ils vivent sur la frontière. Et d'après les immigrants utilisés, par exemple, actuellement, dernier nouveau côté, c'est utilisé surtout à Arizona, zone qui est très retirée, ils utilisent Eagle Pass, tout, qui sont en l'autre côté tout que les migrants ont utilisé pour être capables de venir aux États-Unis. Il n'y a pas venir en tête, ils viennent pour être venir. Et ils ont dit que pour le mois de novembre et même la première semaine de décembre, CBP, donc autorité, agence la douane avec protection frontière, et bien ils mettent mes sous en moyenne 9 600 monde, en moyenne chaque jour. Monde qui peut être vite de que Dieu dépassé. Donc, l'autorité américaine est obligée de fermer, on sait de pas, pour être capable de voir les ressources dans Eagle Pass pour aller déo et analyser le dossier de Mounsayo. Mais en plus, là-dedans, il y a la guéo, il y a un centre, il y a dehors, qui est entré avec un rendez-vous, on date rendez-vous pour aller présenter devant un juge d'immigration, devant un responsable d'immigration, et les ICE, ensuite devant un juge qui pour. Et garder carré pour est-ce que demande de faire pour asile, est-ce que demande là vraiment les capable d'accepter. Mais grand pile, mais ça va empêcher. Il y a des immigrants haïtiens, des honduriens, des vénézuéliens, et quand il y a des immigrants, ils ont dit, les OEC prennent autobus, puis ils viennent sur la frontière, et bien,
garde national mexicain au camp et puis ça faire descendre et parfois même saisir permis voyage ou gen nan permis ou gen nan men yo et mais yo dire li pas valable parce que gen des permis ba ou c'est seulement dans état koto gen là et la seulement valable donc de pour traverser état ou dans l'autre état et bien yo dire li pas valable donc chire li ça ferme dans retourner dans sud encore donc on a recommencé donc immigrant babier sous question c'est là pour écrire tout effort que a fait puis arriver ou est-ce arrivé aux États-Unis que peut-être le cas de la vie meilleure, qui dit que yo quoi qu'il a bien cherché travail et puis certains ont perdu petit jour de nouvelle éducation et mais yo mettait plusieurs facteurs qui devant et bah ça li pourquoi fini et c'est comme ça que États-Unis voyait une grosse délégation de à son haut niveau qui vient en tête ici que des États américains parce que ou pas résoudre problème non obligé à négocier avec partenaire. Donc, les États-Unis voient sous frontière, on voit au Mexique actuellement, il y a une grosse délégation qui a rencontré avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour certainement justifier et discuter qui façon que capable de résoudre le problème non encore diminué quand il y a ce flot immigrant qui a passé sur le Guatemala, entré dans l'État de Chiapas pour venir aux États, pour venir sous frontière et qui gens que deux pays qui travaillent ensemble pour diminuer le flot. Mais le flot a commencé à diminuer à partir du Mexique. À partir de frontière Mexique là. Donc c'est pour ça que le président Obrador a fait avec le président Joe Biden dans une conversation téléphonique de gagné avant 22 décembre. Donc délégation l'a déjà à Mexique et délégation a rencontré avec le président mexicain avec espoir que il y aura un résultat. C'était même bail ça tout en 2023 en commencement 2023 les administrations t'a pas fermé ou bien t'a pas mettre fin dans programme et titre 42. Et programme sanitaire ou bien encore loi sanitaire qui quand elle a pas mettre fin là-dedans et bien l'état va mettre fin là-dedans mais tout effort que tu fait et yo te préparé tout bail ça pour te rendre illégal tout immigrant qui vini yo déporto parce qu'on y a une seule loi qui est en vigueur aux États-Unis c'est titre 8 là qui permet que souvent demander asile sous frontière mais juste process fait document fait papier rapidement de toute bagaille des pas appliquer conditions yo met ton nom avion bien que bon en prison bien met ton nom avion retourne en pays ça qui demande assez de ressources donc États-Unis non question ça et l'autre question c'est pression que République a mis sur administration pour sécuriser votre frontière donc et pas oublier nous pas rentrer dans année électorale année 2024 là son année électorale côté pas élection générale et en novembre 2024 et bien République a déjà un point dans main yo déjà un bail dans main que capable coincer administration et ça veut dire que conseil administration et donc là fait débat il va faire gros débat donc administration a dégagé pour qui est capable de défendre parce que son sujet que République a parlé de lui en pile et mettez avec décision par exemple le gouvernement de Texas a sauté dernièrement là les ont signé trois propositions loi et il y en a dans SB4 là qui dit même bail autorité force de l'ordre droit et autorité pour capable et mettre mes sous n'importe mon ta quoi qui t'a traversé frontière illégalement et mener devant tribunal et bail juge la droit tout pour lui même pour déporter et immigrant ça qui t'a pour le déporter au Mexique ce mandat. Mexique pas obligation pour le recevoir yon immigrant mais immigrant l'autre pays que États-Unis déporter la caille il pas une obligation ça pour l'accepter excepté si c'est citoyen mexicain que mais s'il pas citoyen mexicain donc c'est tout problème ça il pas une obligation pour le recevoir donc c'est tout problème ça qu'a chercher discuter là dans contre ça que délégation qui vient là dans lui et secrétaire d'état Anthony Blinken avec ministre affaires ministre sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et puis il y a un autre officiel encore qui sont conseiller présent et Joe Biden sous question sécurité question et sécurité intérieure bah, donc tout le monde ça là et à propos avec Manuel López Obrador on s'est déroulé dans cap a déroulé avec le président même. Et côté sujet principal, c'est ça, lié, c'est question immigration. Qui ça, le Mexique a fait pour limiter? Parce que calculer, quand c'est immigrant qui déjà prend position sur frontière, qui déjà sur frontière captant, lit en pile, et nous même parler de quand c'est immigrant qui déjà traversé frontière, même qui almasse, qui a le centre d'accueil,
que une série d'organisations charité gain et du côté américain et bien les CBP fin prend mon fin par là avoir fin fond dossier pour et bien yo dit OK y a pour la caillou y a qui t'ont entré à condition pas devant juge et bien yo menon dans sens ça qui sens ça lui-même en retour non comme ça en parler sans ça les femmes ont puis ouvrir ticket pour capable faire continuer faire voyage à pour vivre jeune femme. C'est pas ici seulement qu'on a un problème dans la donne. Il y a tout, actuellement, il y a même jeunes Sénégalais, parce que jeunes qui ont un réseau mafia, un réseau de tout organisé, qui organise des taux pour les gens qui vivent aux États-Unis. Et il y a un exemple que le responsable de la CBP a cité récemment, que la télévision CNN a été rapportée, et bien son groupe Sénégalais est arrivé sur la frontière, ça a fait eux-mêmes voyager. Au pays voyage là, au pays voyage à son toulier, il dépose en Europe, d'Europe étant, on prend avion au Venise, au Venise, au Mexique, et de fond, étant, qu'on y a fait partie, on entre dans le réseau. Et le réseau, ça, il y a un moyen autobus, et qui prend, il y a maintenant, il y a le dépose dans ces deux points sur frontière, côté que, au côté voyage à eux-mêmes. Mais pour les Américains, ils disent, pas occupé, ils sont des récélés, ils sont des trafiquants. Et casser même monde pour prendre l'argent dans le avec espoir que le point de paradis au point de faut venir aux États-Unis. Donc idéal il ouvre et même asiatique dernièrement nous avons un paquet de chinois même qui traverse tout vin. Donc c'est pas seulement et monde là en Amérique latine haïtien monde caribe là avec monde en Amérique centrale là dossier immigration pour venir aux États-Unis hein. Les vraiment traverser. Il traversait là, les très, très, très loin. Et il me dit, il couvre. Il sortit, il y a des gens qui sont là-dedans, qui sortit en Asie, il y a des gens qui sont là-dedans, qui sortit en Afrique. Donc, c'est un dossier qui est là. En tout cas, mes amis, moi-même, depuis qu'on a fait un petit avec nous, je dis à nous, je m'en donne cas là. Raison parce qu'il y a la pluie ici, il y a la pluie dehors, donc je ne vais pas sortir dans deux alors moi était dans cas là pour te faire petit parler avec il aime pas te parler avec nous va me dessous fait toujours donc voilà c'est ça me souhaiter nous monsieur une bonne parler passer une bonne fête de fin d'année bon pas tout le monde dans cas là Valéo en vacances Sandra en vacances Fred en vacances et donc après ça tout reste sur moi même gentil Jacqueline Rodriguez et nous dans cas là et puis Marie-Louise travaille à la Kaili, c'est François Michel travaille à la Kaili. Nous menons là. Donc, nous préparons un bon show pour vous. Moi, je prépare une étude de dossier immigration avec nouveau caravane ça qui est déjà sur route, qui quitte Chiapas, Tapachula depuis le 24 décembre. Et bien, sur route, oui. Sur route là, après qu'on s'est voyagé. Et après qu'on s'est voyagé, et on marche 30 km chaque jour. C'est un gros bail. Tant que chaque jour, on paquette de temps. Il prend repos, mais il prend tant que chaque jour. Donc, c'est ça, rien. Mais il va me prendre espoir, même les revues sur frontière. Est-ce qu'il y a une chance pour passer, pour qu'il s'accroche pas passer? Mais il est sur route, il est venu, et les États-Unis, il y a un pile qui est sauté avec Caravanza. Et dans un moment, il y a pris des Mexique pour bloquer. Mais autorités mexicaines ont été quoi que Caravanza ne doit pas arriver. Il y a des côtés qui viennent décourager, des gens qui sont malades. Et un peu le facteur qui a passé que le caravane n'a pas arrivé. Mais en tout cas, il saute là quand même. Et on a peut-être un résultat que ça n'a pas souci encore. Mais au moins, nous avons deux bases qui sont déjà sorti. Oui, quand c'est chiffre qui en 2023, il a déjà battu record par rapport avec GamePrime. Selon CBP, il a mis sous près de 2,5 millions de monde. 2 500 000 monde qui cherchaient à entrer sur la frontière sans document légal en BCBP, mais son chiffre qui est doublé par rapport avec l'année 2022. Donc, on peut comprendre ça, ça veut dire. Et pas grand qui prouvait que 2024, la situation pas meilleure, à moins que vraiment, que les États-Unis ont un bon accord avec le Mexique. Et à quoi ça sort pas ou à quoi cap gain c'est pas un passoire mais c'est une grosse coopération que Mexique t'a de côté même si les États-Unis t'a fait investissement lui-même mais Mexique si Mexique pas aidé États-Unis pas gain gros bail il pas faire parce que pas quitter il va empêcher monde de traverser Mexique pour venir aux États pour venir sur frontière
tout contrôle des États-Unis, c'est la monnaie de son seulement, et la somme qui est contrôle. Mais pour traverser le territoire mexicain, sortir Guatemala, de bout entrer dans la frontière, pour entrer Guatemala, entrer Chiapas, tout ça est dans les autorités mexicaines. En tout cas, mes amis, passez une bonne journée. Moi, bien content, moi, ouais, nous n'avons pas encore, et ouais, n'avons pas encore demain encore. N'a pas sur même dossier immigration, beaucoup a quitté dossier immigration, ça a tombé. Et parce que dossier ça est aussi important pour nous-mêmes, il est important pour moi, pour justement dire nous évolution qu'a fait. Mais pour monde qui dans programme Biden yo, monde qui dans programme humanitaire, well, pas grand qui dit, pas que monde qui dit nous programme fermé, programme pas fermé, pas grand qui qu'on dit souci programme pas fermé ou pas. Donc si on monde qui te font application pour poser, prends patience. Et si vous même ou l'autre nous besoin bail faire application on connaît application illégale fait c'est moins illégal que États-Unis bail pour monde venir aux États-Unis ben utiliser remplir application pour monde là et puis faire demande là on va me connaître faire li et puis nous même qui bail là tant de patience pas près de reler pression on va attendre mais programme là il a toujours programme là pour fermer et pour grand qui dit qu'il l'a fermé et qu'il est la fermé. C'est 5 ans que je viens de faire le programme dans un an, depuis l'annonce de la défaite. Donc, déjà, il y a plus de 100 000 Haïtiens. Plus de 100 000 Haïtiens qui sont déjà aux États-Unis dans le programme. Ça. Donc, ça veut dire qui ça? C'est plus de 100 000 Haïtiens qui n'ont pas risqué la vie dans la forêt d'Ariane, après tout là pour être capable de venir aux États-Unis, si et pas même peut-être risquer la vie en tirateau pour pistache pour arriver sous côte Floride, sans aucune garantie de venir aux États-Unis. Alors que le programme ça, il est facile pour eux. Il y a des gens qui viennent par email, il y a des gens qui viennent qui déçus de ça, ils pas attendre, ce n'est pas ça qui est volé, ce n'est pas ça qui est volé, il y a des gens qui te promettent le paradis, le ciel, tout le monde. Mon a changé l'idée, ou bien si on sens mon a gagné un moment, l'LT pour mettre et pas même bail gain jodia donc on paquet de facteurs qui capable m'empêcher que vous pas ça dia mais et ça c'est au fait expérience l'expérience très bon vous faire ou faire donc il y a monde qui vient qui décide de dire je pas prêt encore y a tourner parce que pas ça à attendre donc il y a monde qui dit qui vient dire boy si aba là pas capi malgré la caille donc on a dû la prêter quand même donc il était il y a monde qui va un côté priorité tout qui était grand monde héberger pas un côté priorité donc grand pile quand d'aller côté négatif mais toujours garder côté positif là et puis on voit ça qui va le passer entendre OK bonne journée tout le monde.